Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir modifier, ajouter un moyen de paiement rapidement et simplement sur l'application Backmarket. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre comment faire. Backmarket, si vous ne savez pas, c'est une application, un site internet qui vous permettra de faire des achats en ligne sur l'application d'achat d'appareils reconditionnés. Donc ce sera des appareils moins chers. Voilà, vous pouvez voir que là nous avons un iPhone 11 à moins 26%. Ce sont des appareils qui sont certifiés, reconditionnés par des professionnels. Donc c'est une application que je vous souhaite de découvrir si vous voulez payer des appareils. Donc ça peut être d'électroménager, appareils sportifs, appareils domicile, appareils personnels pour des téléphones ou autres. Et ce sont des vrais appareils, donc vraiment certifiés. Donc c'est-à-dire que ce sont des professionnels qui vont les réparer. Et voilà. Donc comment faire pour pouvoir ajouter un moyen de paiement? C'est très simple. Vous allez sur l'application Backmarket, comme ceci. Vous vous connectez, vous vous inscrivez. Vous cliquez tout en bas à droite sur votre profil. Vous pouvez voir qu'il y a écrit profil en bas à droite de l'écran. Voilà. Et là, nous allons cliquer donc sur la partie mon profil. Vous pouvez voir, c'est juste au-dessus de parrainer un ami. On clique sur mon profil, comme ceci. Et tout en bas, on va cliquer sur mon RIB. Voilà. Et là, vous allez pouvoir mettre votre IBAN et autres. Donc, votre IBAN, votre BIC. Hein, ça se trouve sur l'application de votre banque. Donc, si vous avez une application, vous pouvez la trouver dans les paramètres de votre application en cliquant sur montrer mon RIB. Où ça se trouve sur vos informations bancaires, vos papiers de relevé de compte, etc. Mais voilà comment faire pour pouvoir enregistrer ces informations, son mode de paiement. Bien évidemment, vous devez cliquer tout en bas sur enregistrer et vous recevrez un message de votre banque comme quoi vous avez bien enregistré votre BIC sur l'application Backmarket et vous devriez certifier que c'est vous. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour pouvoir enregistrer rapidement, simplement un mode de paiement sur l'application Backmarket. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire savoir comment enregistrer un mode de paiement sur Backmarket. C'était Benjor, à bientôt.